Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et aussi contentement d'Anne-Kéa que m'y retrouve Azote tous les matins sur Télécréole et aussi en direct sur le réseau social Facebook pour se causer la réunion. On va parler bien sûr de l'essentiel de l'actualité, comme il dit souvent, sans maillage, juste ce qu'il faut comme qu'il faut. Et puis, je tiens à saluer aussi toutes les personnes clés connectées sur le réseau social Facebook qui regardent à nous et qui regardent à nous aussi sur la télévision. Miwaxel est de plus en plus nombreux en tacon, comme il dit souvent, et en pundiak à suivre à nous. Moi, je suis content. Et ben, si moi, je suis content, j'espère que vous êtes content aussi. Et puis, il va saluer aussi Facebook. C'est vrai que moi, comme on est en train de faire le direct, moi, pas trop le temps d'aller saluer Azote directement, mais saluer Azote à la bouche comme ça, là, en direct sur la télévision. Et puis, on a un peu Davy, là, qui disait, m'ignore les messages. Non, mais m'ignore pas les messages. Hein, donc, mais regarde juste après le causer la réunion. Et puis, les fidèles auditeurs, auditrices qui commentent l'actualité, la Sylvine, la Josia, Nena, oula, on a quand même pas mal de personnes, mais n'oublie pas, les souvent des fidèles auditeurs qui sont toujours là, grand matin, ils regardent à nous. Ben, tiens, beau serré, largue pas, ben, continue à rester là même et à suivre à nous, et donne à nous un peu de courage aussi pour continuer l'aventure de ce journal, qu'il fait quasiment tout à l'heure plus d'un an et quelques mois, l'a commencé. Ben, nous est toujours là même le matin à partir de 6 heures. Alors, le conseil parle dans l'actualité aujourd'hui, il parle pas mal de choses, et justement, la préfecture qui répond au lever des motifs impérieux, tout le temps, on est en train de crier bataille là-dessus, bon, quand ça, il lève ça, quand ça, il lève ça. Donc, la préfecture, pour les non-vaccinés, hein, donc la préfecture, il dit que n'est pas envisagé pour le moment. La situation sanitaire, bien sûr, il continue à améliorer pendant la 10e semaine qui suivent, là. Donc, aucune date n'a été communiquée quant à une éventuelle levée de motifs impérieux. Hein, voilà, donc ces motifs impérieux-là ont été mis en place depuis le 28 janvier. Il dit que toute personne non vaccinée, il gagnera pas quitter la Réunion ou partir sans justificatif. Hein. Voilà, depuis 10 mois, la liberté de circuler est donc limitée sans aucune indication de retour à la normale. La préfecture, il y attend aussi, c'est pas lui qui décide de ça tout seul, c'est aussi les bonnes là-bas, au plus haut, encore plus haut que lui encore, hein, donc là, le Conseil d'État, là, le Conseil, tout sorte constitutionnel, tout ça, là, il décide de ces bonnes lois-là. Bon, faut attendre, hein, tout ça là, et il n'est pas envisagé non plus à ce stade de modifier la réglementation que l'est actuellement en place. Donc, il faut attendre Azote. Attendre encore un peu, hein, donc pas tout de suite, hein, donc pas tout de suite, ici risquable jusqu'à 2022, il enlève ça, hein, donc par rapport à la vue, il veut prolonger l'histoire de passe sanitaire, de machin sanitaire, là, t'as compte d'affaires, hein, de toute façon on en reparler dessus. Et puis la deux derniers points de la préfecture avec l'ARS Santé Publique France qui donne à nous à la pointe trop longtemps, hein, c'est-à-dire cette semaine même, il donne mardi du côté de Mayotte et puis mardi soir du côté de La Réunion. Il annonce à nous que Nena 2, Mouna des Sottes la vie, 234 nouveaux cas. Le taux d'incidence est passé de 27,3 du 15 octobre. La bien baissé, hein, donc 27,3 pour 100 000 habitants. La situation est améliorée, c'est comme si qu'il n'y a presque plus trop Covid. Après, il dit à nous comme ça, il faut rester vigilant par rapport à tout ça. Il bouge pas plus que ça, s'il fait n'importe quoi, il risque d'augmenter. Et puis, comme on l'avait dit aussi, la France aussi, de l'autre côté de l'Hexagone là-bas, les bonnes cas, on a un petit remonté de cas de Covid-19 là, de l'autre côté là-bas avec le variant Delta. Il est toujours là d'actualité. Faut pas que il sorte là-bas par l'avion et amène ça ici à La Réunion, comme il dit souvent. Hein. C'est ce qui se passe aussi la plupart du temps. Hein. Rappel Azote, pour le commencement de la crise là, c'était le gars de la manifester. Mais ça la marque à moins un peu, donc la marque quand même pas mal de machin. C'est que la partie manifestée pour devant bateau au port là-bas en disant que il y a un virus dangereux même qui arrive, qui risque à
taxe à nous ici la Réunion, ben, tout le monde sur bonne radio, bon ben bonne couillon, et puis la Nena Nanmoun l'a téléphoné sur la radio, tout ça là, pour insulter ce Banmoun là. Et le problème, c'est que, en fait, elle avait raison dans le système, c'est que vraiment elle avait machin. Donc ils montent à Zot, comment, ben, avant de crier sur le Bandoumoun, il fallait réfléchir un peu. Bon, mais ils n'auraient pas empêché le Covid d'arriver, hein, parce que s'il n'aurait pas passé par bateau, il n'aurait passé par avion. Donc, du coup, ça l'a bien vu comment les affaires ont dégrainé d'un seul coup. En moins d'un mois, quasiment, la presse, Emmanuel Macron l'a intervenu directement en disant, voilà, il faut faire tout, c'était un 15h l'après-midi, si je ne me trompe pas, hein. C'est un peu comme Cyclone Génie, hein, pour certains, ils connaissent. C'est encore là, il y a la Cyclone Génie, hein, en 1948, là-bas. Et donc, elle a fait fermer tout le système. Et dans cette histoire-là, nous connaît que, la France, elle était au courant depuis bien longtemps de ces histoires de virus-là. Allez, à tous faire, comme il dit, hein, ben, allez pas couillon, ben, allez, on dort la même, ben, allez, connaît, donc, elle a pas la pensée que Zati pourrait diriger tout ça, elle a fait que des bêtises en dedans, et là, aujourd'hui, nous les prie en dedans. Nous, la journée, nous va revenir dessus, hein, parce que ça, c'est un sujet, elle est toujours d'actualité, on va revenir dessus un peu plus tard, hein, donc, nous parle de la journée mondiale de sensibilisation, hein, des AVC, là, les accidents vasculaires, là, donc... Alors des accidents de la tête là, qui là-dessus, on a beaucoup à la Réunion, les AVC, hein, les associations France AVC La Réunion, Bouge à nous, ils organisent une journée d'action de sensibilisation le 29 octobre, un événement pour la famille, pour le sport, un événement où ça va parler beaucoup de ces affaires-là. Hein. Ça c'est du côté du 30 octobre, le 29, le 30 octobre aussi, hein, donc on a deux trois dates en dedans. Au vélodrome de Champfleury à La Réunion, il compte à peu près 2500 AVC par an, soit 5 AVC par 24 heures. Vous vous rendez compte, il est assez raide, hein, et rapide. Hein. Donc voilà, le taux d'hospitalisé que la gagne un AVC est de 30% de plus élevé qu'en France là-bas, et l'âge moyen que l'AVC vient ici, La Réunion, les inférieurs, pour les 7 ans pour les enfants là-bas par rapport à la France, par rapport en France métropolitaine, hein, pour les marmailles, il est un peu les inférieurs. Alors l'AVC, moi ce que m'y connais de l'AVC, c'est un affaire qu'il peut toucher n'importe qui, hein, ça il touche les enfants, il touche n'importe à qui peut gagner, c'est un affaire que vous préviens pas, donc après c'est pas dire boire rien que l'aspirine tout le temps là-bas, cardégique, si je me trompe pas, c'est un médicament, il est bon pour ça, faut pas faire de pub dessus, hein, c'est de l'aspirine pour fluidifier le sang, donc les journées d'AVC, c'est bon de connaître ça, c'est comme les premiers gestes de secours. Il faut connaître parce que bon, le jour il arrive azote un affaire, un nana, un famille azote ou un marmaille azote, les dans un cas de malaise, un cas de difficulté, donc il peut intervenir dessus en attendant bien sûr les secours. Et avant, ces cours de secouristes, tout ça là, l'était gratuit, hein, donc on a très longtemps de ça, mais parle, hein, donc à mon époque, hein. C'était pas si longtemps, mais c'est à mon époque quand même. Mais maintenant, il faut payer, hein, mais si je ne me trompe pas, pour ces cours-là, sauf qu'à l'école, ils donnent aussi les gratuites, les compris dans le cursus scolaire, pour faire la formation. Et puis, ce fameux brevet secouriste, quand ça travaille dans un milieu où ça n'a des personnes âgées, ou sinon ça n'a quand même pas mal de choses, vous êtes obligé d'avoir ce brevet secouriste-là, parce que sinon ça ne rentre pas. Donc il faut absolument, même dans les écoles, dans certaines écoles, quand vous êtes responsable de certaines affaires, mais il faut avoir justement ça. Nous va passer avec le trafic de drogue par Chronopost, qui a été démantelé là-bas du côté de la possession, avec un bouc de 33 ans, la passe devant le tribunal ce mercredi, hein, tribunal judiciaire de Saint-Denis, pour les faits de supposé de trafic de drogue pour une période estimée d'avril à octobre 2021. Ce trafic de drogue de Chronopost, là, t'es en train de veiller le bouc depuis un bon moment. Vous connaissez les colis, ça les bien surveiller, ils passent au rayon X, hein, le chien part tout rondant là-bas. Et ils regardent ça, s'ils en ont un doute vers la destination, automatiquement ils rouvrent le colis, ils mettent de l'autre côté là-bas. Donc c'est sur la commune de la Possession, on l'a fait ça, hein, le bougue qui a été interpellé, a été placé en garde à vue, il a fait rentrer de la cocaïne, cannabis, par colis, justement comme a dit le Chronopost. D'après le parquet, le petit manège était bien huilé, la drogue était rentrée sur le territoire dans des colis, la poste, hein, avec des noms d'emprunt, des numéros de téléphone, qui correspondent à des appareils prépayés. Vous connaissez quand ça va dans certains supermarchés,
supermarché ou certains endroits, de chercher des cartes. Et après, ils mettent la carte dedans, et puis, je ne sais pas comment il se passe encore, parce que moi, j'ai jamais cherché trop. Et donc, après, ils ont donné un numéro de téléphone, et apparemment, ben, elle a utilisé ce bon numéro de téléphone-là. 100 grammes de cannabis a été retrouvé à son casse là-bas, quand ben, elle a fait la perquisition. Hein, le bouc qu'elle avait 30 ans, n'avait déjà 4 condamnations pour des faits de violence là-bas du côté de la France. Elle n'y arrête ici la Réunion, avec son compagne en 2020. Voilà, donc... il a accepté. Voilà, donc bah, la juge a lu. Il voulait juge a lu en comparution immédiate. Il devrait attendre le 15 novembre prochain par rapport à pour connaître son sort. La présidente du tribunal n'était pas en état de prendre le dossier dans les affaires puisque l'arrivée a été assez tard dans fin de matinée. Donc il dit à point le temps pour étudier tout ça. En détail, le magistrat, la magistrate, hein, l'a préféré renvoyer sous l'affaire là un peu plus tard. Hein, donc le bougle est en détention provisoire en attendant la prochaine audience. Hein. Bon, montez que maintenant ils sortent là-bas du côté de la France dans d'autres pays. Maintenant ils arrivent ici à la Réunion. Ben ils pensent qu'ils passent facilement. C'est un pays que nous l'est un peu laxisme là-dessus laisser un petit peu machin, mais Zotti arrive en pensant que Zotti pourra faire passer de la drogue, tout ça, et ah là, comment il a collé à Zotti là. Et ça, ces personnes-là, il faut bien condamner Zotti, mettre Zotti bien en prison comme qu'il faut, mais pas simplement pour 2 ans, 3 ans, et pas avoir de circonstances atténuantes pour ça. Parce que ça, quand on est là, un marmaille, il tombe dans l'alcool, il tombe dans la drogue, dans ces trucs comme ça, là, c'est là qu'il risque de poser des problèmes. Donc, pas de pitié, comme on a dit pour les canards sauvages, hein, on a dit dans... Pas de pitié pour vous autres. Moi, on n'aurait pas de pitié. Moi, vous la vendre la drogue, vous connaissez que ça que t'es fait. Bloc à ou foutre en prison, un point, c'est tout. Hein. Là, des gens les condamnés pour moins que ça encore. Donc voilà, le machin. Nous allons aller du côté du piton de la Fournaise avec la phase de réouverture de l'enclos aujourd'hui même. Hein, donc, par rapport aux constatations de l'Observatoire volcanologique, hein, l'OPVH, la partie fait une reconnaissance sur les drones avec le PGHM de la section aérienne. De gendarmerie, le préfet de la Réunion a décidé de revenir sur la phase de vigilance du dispositif en sec du volcan entier d'aujourd'hui. Il y a aussi un risque d'activité volcanique. Il faut faire très attention. Il n'est pas exclu que le volcan il monte en pression et puis le réservoir magmatique, comme on appelle ça, le réservoir de lave, il pète. Hein, non. L'interdiction d'accès au public à partir de l'enclos du piton de la Fournaise, elle est levée à compter d'aujourd'hui, 21 octobre. Depuis 5 heures le matin. C'est vrai que quand Banal l'a annoncé, il y a probablement un problème de volcan qui devait péter. Tout de suite, le préfet a pris des résolutions. Hein, donc, il a pris ses... il protège à lui aussi, hein, il a mis comprend à lui. Donc il protège à lui, il a bloqué tous les accès de l'autre côté là-bas. Bon, il rentre plus de l'autre côté là-bas. Donc il faut laisser. Mais par contre, les entreprises qui fait des trucs de touristes, des entreprises, la pignon sur rue, ou sinon ça, il y a des petites des passes, des petits des camarades, tout ça là. Mais maintenant, il prend l'avion, il prend l'hélicoptère, il prend le drone, ça filme. Ou sinon ça, il y a des autorisations pour aller. Hein. Ah, ou en tant que public, là, prend le droit. Sur un sens, il est normal qu'il défendent à où d'aller. Pourquoi? Parce que si le volcan a vraiment pété, il y a des gens qui ont de l'autre côté. Là-bas, rappelle à la mer, la dernière fois, là, on a une mère élue, là, elle était sortie du côté de la France, elle est née ici, elle est partie au volcan là-bas, elle a PAD de l'autre côté là-bas, apparemment, elle a PAD, elle ne connaît pas. Hein. Donc, elle a PAD, et donc, c'est compliqué pour ce machin, rôder, et jusqu'à aujourd'hui, rôde même pour trouver s'il y a des restes quand même pour pouvoir faire ce deuil de l'autre côté là-bas. Elle est assez compliquée là-bas. Bon, quand maintenant ils donnent des responsabilités, des conseils, des fois il faut suivre, hein, la plupart du temps il faut suivre. Mais des fois, si vous ne suivez pas aussi, ou la gagne le coup en dedans, tracas à Mayo, comme il dit souvent. Hein, donc. Nous allons aller du côté de l'île Maurice avec les coûts des matériaux, un peu comme à La Réunion. La Réunion, vous avez remarqué que partout dans le commerce, les prix en quincaillerie pour vendre du ciment, pour vendre tout ce que les fabriqués exportés qui sortent en dehors, qui arrivent ici à La Réunion,
L'a augmenté, bien augmenté comme ça. Et donc à l'île Maurice là-bas, apparemment là-bas aussi, a bien augmenté toutes les bonnes affaires. Nous aussi, malgré les efforts que l'État y fait hein, pour dire aux gens, ben, construire de notre propre case, donc ils risquent de connaître un arrêt hein, par rapport un arrêt ou sinon ça, ben, un arrêt par rapport aussi au financement. Hein. Quand on a juste financement, on a fait des prêts à la banque pour faire une affaire comme qu'il faut. C'est un peu comme la route. Nous revient souvent sur la NRL, il est toujours la même. Ben, il fait qu'il est un peu comme ça, mais après on dépasse le l'argent et après il est compliqué pour finir ou de case. Hein, voilà. Donc par rapport là-bas aussi à l'île Maurice, par rapport à la hausse des produits d'importation des matériaux, du ciment entre autres, du fer, de la ferraille, tout ça. Donc il y en a aussi des quincailliers là-bas, des personnes qui crient un peu, qui disent ben oui effectivement on a aussi des problèmes là-dessus par rapport à justement la marchandise, il devient assez cher. Et ça y fragilise un peu toutes les bonnes affaires aussi. Hein. Nous n'en a aussi les premières personnes que les prix là-dedans, c'est les propriétaires de quincaillerie. Hein. Bon, ben là, c'est des intermédiaires. Hein, et entre les distributeurs et les intermédiaires, on en a des gros problèmes de prix. Hein, donc, là, il fait venir, mais après, il faut passer par des intermédiaires. C'est là que le prix, il augmente. Hein. Il augmente. Voilà, donc, nous allons partir sur Air Madagascar avec l'engagement d'une procédure de redressement judiciaire qui est inévitable. Hein. C'est une information qu'on a trouvée dans la tribune de Mada le samedi 16 octobre. Il doit rentrer dans une phase de redressement judiciaire que l'a confirmé le porte-parole du gouvernement et voilà, dont le ministre de la Communication et de la Culture, Lala Tiana, on s'appelle même Andrea Tongaviro. Voilà, donc m'explique mieux quand je parle les bonnes noms, elle est un peu compliquée. Donc voilà, c'est il est parti dans les émissions des chaînes hebdomadaires vendredi, hein, donc les chaînes nationales malgaches. Manal a parlé de permettre de faire ça. Manal a un passif de 80 millions de dollars. Hein. Donc la compagnie aérienne est dans l'impossibilité d'éponger son bande dette. 80 millions de dollars, les pas donnés. Après, dernièrement, on avait entendu Madagascar, il change de nom, il passe à fusion Madagascar Online. Hein. Des informations, il vient au fur et à mesure là-dessus. Donc, c'est assez compliqué hein, là-dedans. Et puis, il essaye de trouver des solutions pour pouvoir régler. Ce qui permet à moi de parler aussi d'une personne que l'avait appelé à moi, que l'avait laissé un message sur le répondeur par rapport à la situation à Madagascar, puisque lui est parti voir des agences de voyage, n'allez pas au courant de cette réouverture-là, ou sinon ça, si moi bien compris, il y a parti dans certaines compagnies, pour ne pas citer de nom, hein, les compagnies ont dit, pour l'instant, je ne t'y connais pas, elle n'est pas ouverte, patati patata. Donc voilà. Après, comme il dit souvent, les compagnies aériennes, chacun a son manière de gérer la situation. Hein. Actuellement, si je ne me trompe pas, Nena Air France et à Madagascar, hein, Madagascar Online, là, qui desservent les autres pays, hein. Il faut attendre encore un petit peu, et après, on va donner aux autres des informations. Comme qu'il faut. Bon, allez, pour la personne, tu peux aller du côté de ces deux compagnies pour aller voir. Après, on avait entendu aussi, ça c'est entre guillemets, il fallait monter du côté de Paris, là-bas, en avion pour prendre une desserte entre Air France et Air Madagascar. C'est assez compliqué quand même. Hein. Peut-être que tu peux avoir des. Si c'est vraiment le cas, vous allez peut-être avoir des rabais sur votre bon billet, hein, donc voilà un petit peu. Bon, ben là, certaines compagnies frottent la main quand même. Hein, et Austral, si je ne me trompe pas, pour l'instant, les entre guillemets pour partir là-bas, normalement, lui est prévu pour partir, mais par contre, Corsair, je ne m'y crois pas. Hein, donc entre guillemets toujours. Hein, de toute façon, si vous suivez le causé de la Réunion, m'y va faire, m'a fait un petit speech là-dessus, pas si tôt que m'y gagne, hein, m'y parle toujours de l'actualité de l'océan Indien, de Mayotte, des Comores, de Madagascar, d'Afrique du Sud, dans toute la zone océan Indien. Mais rappelle à Zotte, par satellite, les télécréoles ils diffusent sur cette zone. Et puis, nous les sur les box aussi de certains providers à Mayotte qui suivent nous sur les box aussi. À partir un petit peu partout, ils suivent nous sur les box. Hein. Donc, Maurice, ils suivent nous plutôt sur le satellite et sur le réseau social Facebook.
Nous, on va passer à TLA, bah, Total. On parle de réchauffement climatique, patati patata. Et nous voit aussi que des grosses sociétés qui fionnent, hein, qui ramassent rien que des conneries, des histoires mentées. Total que l'a ignoré le réchauffement climatique. Il a minimisé son rôle dans la menace du changement climatique, d'après les bonnes scientifiques. Total avait connaissance des conséquences qui n'étaient pas bon pour les activités du climat depuis 1971, mais il a continué à mettre des doutes depuis les années 80, jusqu'à la fin des années 80. Il a rodé après de contrecarrer les bonnes efforts pour militer contre les énergies fossiles. Il a quand même pas mal, non, d'après un article qui a été paru mercredi dans la presse nationale et internationale, il parle bon peu. Christophe Bonnefeuille, directeur de la recherche du CNRS, puis à lui, choqué sociologue à Sciences Po, et Benjamin Franta, chercheur en histoire à l'université américaine de San Francisco, a étudié les archives de ce groupe Total, qui est devenu Total Energy, hein. Maintenant c'est Total Energy, on sait Total tout court. Et là, nous l'a Total ensemble, nous l'a avec son bonne connerie qu'il a fait sur le climat. Alors, regardez un petit peu les interviews, les articles qui ont été parus dans Global Environmental Change. Publication, en 1971, que Total y expliquait que la combustion des énergies fossiles, il libère une quantité énorme de gaz carbonique. La quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère est assez énorme. Il parle de ça, mais c'est des documents qui étaient en interview, cachés un petit peu. À cette époque-là, nous n'étions pas numérisés, nous n'avions pas le numérique, nous n'avions pas trop Internet, donc tout était caché entre autres. Et aujourd'hui, il fait sorte tous ces bandes de papier là-là pour le bien du peuple aussi. Hein. Il voit aussi que toutes ces entreprises sont jamais condamné. Pourquoi? On va dire, oh, Nena a un droit d'exemption là-dessus parce qu'il date depuis longtemps. Mais moi, je pense qu'une grosse société, des grosses sociétés qui polluent comme ça depuis des années, même que l'avait point Internet avant, quand ces papiers-là ils sortent, il ne faut pas passer par quatre chemins, aller faire des procès qui vont durer 100 ans. Hein. Il faut exactement astic azote directement le truc et prendre l'argent tout de suite. Hein. Ça, c'est un peu comme un malheureux, il vole, bon, il coque à lui, quoi. Donc, tout de suite, aller en prison direct, le gros, là-bas, il a des avocats, il passe par la cassation, il passe des trucs là, il râle le train. Après, il est mort, personne n'est venu connu, il passe plus les affaires. Donc, fini. Il faudrait arrêter un peu avec ça. Hein. Le machin. Ces grosses sociétés-là ont contribué justement aux histoires du réchauffement climatique. Après, nous en tant que particuliers, c'est nous qui fait les pas sérieux, nous jette papier partout, nous fait ici, nous fait là-bas, nous fait ici par là-bas. Là, il faudrait rouvrir votre canette un peu, ça te dit ça aussi, hein, de regarder un petit peu comment ces grosses sociétés-là, machin. Hein, parce que maintenant, ils achètent des taxes carbone, 26 milliards de taxes carbone, là, t'es acheté après trop longtemps avec l'Europe a fait sortir ce papier-là. 26 milliards, les pays qui polluent pas, bon, parce que ils ont le droit de polluer, bien sûr. Et ce droit de polluer, là, comme ils ont la point d'usine, d'infrastructure pour polluer, qu'est-ce que ça t'y fait? Ça t'y revend les droits de polluer aux Américains, aux Européens, à la Chine, ou sinon ça aux Australiens, je ne sais quoi. Et donc ces bons pays-là, ils continuent à polluer. Donc ni vu ni connu. Et donc voilà comment ils passent dans le affaire. Hein. Nous va passer là, déjà 6h22, le temps il passe, il reste encore 2-3 minutes là pour causer la pandémie avec l'Europe qui parle d'un milliard de doses de vaccins anti-Covid lui l'a exporté en 10 mois vers 150 pays, la moitié des doses qui ont été produites en Europe que ça a affirmé la Commission européenne. Clairement, l'Europe, il dit que c'est le premier exportateur au monde de vaccins. C'est la Ursula von der Leyen. On parle toujours de gens qui parlent de ça et dans une vidéo en ligne que lui a fait. Et puis nous avons aussi les histoires de passe sanitaire, les soignants, tout ça. Je rappelle à Zod, ils parlent, mais ils parlent plus trop. Parce que le taux l'a baissé un petit peu. Et donc, on a 130 000 soignants, elle a pas encore gagné encore cette dose, et au moins 160 000 professionnels de santé. Elle a tout de même fait vacciner Azot une première fois depuis la mi-septembre, d'après la direction de la santé,
qui estime que 15 000, c'est le nombre de professionnels que les soumis à l'obligation vaccinale. Nous passons avec Emmanuel Macron qui parle à nous des États généraux, justement de la justice, avec en ligne de mire les élections. Ben, il commence à maïmailler un peu pour les élections là-dessus. Il était à Poitiers lundi, il a parlé aussi de l'actualité. Et ben, on nous parle encore de la justice à deux vitesses. Alors, on a une justice pour les pauvres, une justice pour les riches. Et bon, justement, ces bonnes affaires-là, là, les États généraux de justice, c'est pour justement faire le net, mettre bien comme qu'il faut, normalement, rendre une justice plus juste. Bon, ben, beaucoup de... Je l'ai regardé à la télé hier. Là, bon, on peut y croire pas trop sur ces histoires-là. C'est plutôt un train pour la politique, pour lui gagner beaucoup de voix. Donc, Emmanuel Macron, qui fait beaucoup de choses ces derniers temps-là, il veut booster la fin de son septennat-là. Donc, voilà un petit peu comment il se passe. Et puis, voilà le système. Et puis, nous avons une petite information que l'avait arrivé à nous là. Voilà, c'est l'école Montessori de Pierrefonds à Saint-Pierre. C'est une école que l'est située au 423 rue Honorine à Pierrefonds qui rouvre ses portes et qui accueille des enfants de 2 ans à 12 ans, de 2 ans et demi à 12 ans. Les places sont disponibles. S'ils donnent la marmaille pour envoyer l'école là-bas, dans cette école. Là, donc, on est là des activités, un petit peu comme une école normale, hein, c'est des activités là quand même pas mal, hein. On a aussi des trucs périscolaires, on a pas mal de affaires, hein. Bon, vous êtes allé voir les inscriptions, vous êtes un petit peu fiers. Faire sur 06 92 04 57 19 ou sinon ça 06 92 17 86 pour les informations que vous avez envoyées à nous, nous fait passer, hein, tracasse pas, hein. On a aussi, nous va passer avec, on l'a oublié, mon Cosma Réunion. Cosma Réunion, c'est cause gras. C'est à méditer aujourd'hui. Quand même, on y cause gras, c'est-à-dire que lui est là, il cause pour dire que lui connaît tout, machin, il cause en graines, quoi, en gros, hein. Donc voilà, un peu. À méditer aujourd'hui. La météo, le temps, les couverts par place ici à La Réunion. Mayotte, et puis, de nuages par-ci, par-là, hein, donc dans les hauts, il est bien couvert. Mayotte, nous n'en a un beau temps avec de nuages. Et puis, du côté de l'île Maurice, nous n'en a aussi des nuages que les prévus, pour l'essentiel de l'actualité d'aujourd'hui. Mais dans notre rendez-vous à partir de demain matin, 6h jusqu'à 6h25, tiens, bosser et largue pas, n'y a trouve, passe une bonne journée à l'écoute de Télécréole.